Nous allons Contacté maintenant par France 24 au numéro fourni Lamia par l'attaché de presse de l'ambassade de Syrie à Paris, Lamia Shakour, ambassadrice de Syrie en France, annonce par téléphone sa démission dans l'émission Le Débat. Je ne peux soutenir ce cycle de violence. Je ne peux pas ignorer tous les manifestants qui ont trouvé la mort dans l'honneur et dont les familles vivent aujourd'hui dans la douleur. J'ai informé la secrétaire personnelle du président Bachar el-Assad que j'ai l'intention de remettre ma démission au président Assad. Ma démission en tant qu'ambassadeur de Syrie en France prend effet immédiatement. Quelques minutes plus tard, cette information exclusive est confirmée par l'agence Reuters qui s'appuie sur un mail de l'ambassade de Syrie en France. Nous confirmons les informations que vous avez pu voir en direct sur France 24. L'ambassade de Syrie en France ne fera pas plus de commentaires pour l'instant. Mais ensuite, coup de théâtre sur les antennes de plusieurs chaînes arabes, dont la télévision syrienne, puis sur BFM TV. Lamia Shakour dément cette information et annonce qu'elle va porter plainte contre France 24. Je poursuivrai France 24 pour ses mensonges et je demanderai des dommages et intérêts qui seront ensuite versés aux familles des martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la Syrie. La direction de France 24 n'exclut ni l'hypothèse d'une manipulation ni celle d'une provocation dans cette affaire. Si tel était le cas, France 24 poursuivra en justice toutes les personnes, officines ou services officiels qui en seraient à l'origine.